Et yo tout le monde, c'est Eagle State et on se retrouve pour le premier épisode de la démo de Pokémon Ruby Omega et Pokémon Saphir Alpha. J'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas, écoutez, bah ça va super. Allez hop, on est parti, on va tout de suite commencer cette démo. On va l'activer, on va faire démarrer et on va voir ce qui nous attend dans cette démo qui va être, je pense, très exceptionnelle. Alors, jouer à Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha version démo spéciale en français, anglais, allemand, coréen, espagnol, italien, japonais. Eh bien écoute, on va faire français. Commencer. C'est parti. Et ben voilà! Ça commence fort! Alors là, on a eu l'intro, enfin, on a l'intro entre guillemets, le fond c'est Ruby Omega. Je sais que d'autres youtubeurs ont eu l'intro Saphir Alpha, donc ça doit alterner en fonction des démos. Hop. Voilà, alors face cam, j'espère que le layout vous plaît, j'espère que la miniature vous plaît aussi. Ce sera le layout et la miniature que j'utiliserai pour le let's play. Mais en attendant, on est parti, on appuie sur start. Oh là 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 là! C'est trop trop beau. Ah et là on est sur un Latias, d'accord. Ah bah oui, Ruby Omega, Latias, Saphir Alpha, Latios, d'accord. Oh punaise, depuis le temps que j'attends cette démo, c'est impressionnant. Nous y voilà. Merci Latias, je ne sais pas ce que nous aurions fait sans toi. Tias. Ah je suis chaud là. Nous sommes à Algacia. Ici, des savants s'attellent jour et nuit à percer les secrets de l'univers. J'ai reçu un appel à l'aide de la part d'un de mes amis, un professeur. Il semble que des gens peu recommandables en veuillent à ses recherches. Ne perdons pas une minute de plus. Vite, au centre spatial Orlando. On va aller au centre spatial? On va peut-être aller dans l'espace? Je ne sais pas. Non, non, peut-être pas, non. Peut-être pas pousser le truc trop loin non plus. Nous voici au centre spatial. C'est là que le professeur... Oh, remix de Pokémon des Team Magma. Ouf, joli. Mieux. Alerte. Type louche en vue. Vous venez vous mettre en travers du chemin de la Team Magma, hein. Inutile de le nier, je sais tout. Ne pensez pas qu'on va vous épargner sous prétexte que vous n'êtes qu'un gamin et un charmant jeune homme. Vous ne laissez guère le choix. Puisque vous prenez les choses ainsi, battons-nous. Orlando, je compte sur toi. Montre-leur ce qu'il en coûte de défier un dresseur. Prends donc un de mes Pokémon avec toi. J'ai trois Pokéball ici. Choisis le Pokémon avec lequel tu veux faire équipe. Oh là 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 là. Alors, Pokémon avec le deuxième stade d'évolution. Nous avons le choix entre Masco qui est l'évolution donc de Arco, Galifeu qui est l'évolution de Mr. Pussyfeu. Et Flobeu qui est l'évolution de Gobou. Alors Gobou je l'ai pris dans Pokémon Émeraude. Galifeu, sa méga évolution, on l'avait déjà dans XY. Donc je pense que le plus intéressant c'est quand même de prendre Masco. Et c'est le Pokémon qui m'attire le plus. Parce que méga évolution type dragon plante, autant vous dire que c'est classe. Allez let's go. Ouais, petit mouvement de tête pour dire ouais t'as bien fait de me choisir Bobby. Wouh. Ah ouais d'accord. Ah, on aime. Ah, ça j'aime. Ah oui, là, oui. Ah, là, ouais. Alors là, mais ça va être tellement bien, cette démo. Alors, attendez, avant, je vais juste regarder un petit peu le sac pour vous montrer. Alors, d'accord, donc rien n'a été vraiment refait. On a des hyper potions, d'accord. On a des total soins. Objet combat, on a rien. Je pense que c'est des Pokéballs, on devrait avoir rien du tout. Ensuite, je vais aller voir quand même les résumés histoire de voir à peu près ce qu'on peut trouver en combat. Donc là, soigner, résumé. Ok, donc il a engrais, niveau 35, donc prêt à évoluer avec 1400. Une bonne vitesse, ouais, ouais, il a des bons stats. Capacité, lame feuille, souplesse, aéropique, d'accord. Allez, donc voilà, c'était juste histoire de vous montrer. Maintenant, capacité, je vais faire lame feuille, hein, parce que c'est une capacité plutôt classe. Alors, je pense que
donc c'est inspiré bien sûr de Pokémon. XY, mais au niveau des graphismes de combat, on voit quand même quelques modifications. Surtout au niveau de Masco, on voit qu'il est quand même mieux fait. Ça vous avance à rien de nous avoir battus. De toute façon, la Team Magma a déjà récupéré les coordonnées de l'endroit où se trouve le Pokémon capable de méga évoluer. Haha. Plus un instant... Ah non, je croyais que c'était la fille. Oh, excusez-moi. Plus un instant à perdre, on sait où aller. Et non, on les laisse filer comme ça. D'accord. Ils ont les coordonnées. Oh, c'est ce brave Pierre. Tu es venu à mon secours. Merci infiniment. Je vous en prie, professeur. Et puis, je ne suis pas seul. Le jeune Orlando qui m'accompagne a pu repousser ces bandits. Oh, c'est vrai. Merci bien, jeune Orlando. Grâce à vous deux, je suis sain et sauf, et en un seul morceau. Cela dit, nous ne sommes pas sortis d'affaires. Cette team machin truc a volé les résultats de mes recherches sur la méga évolution. Ils savent où trouver un Pokémon capable de méga évoluer. Le pauvre risque de tomber entre leurs griffes. Nous ne pouvons pas les laisser s'en tirer à si bon compte. Orlando, rends-moi service et aide-moi à protéger le Pokémon de ces sales types. Attends-nous, nous n'avons pas de temps à perdre. Ah, j'aime ça, là, le petit démo qui envoie direct du lourd. Oh, centre Pokémon, quand même, en mode bunker. Genre, il n'y a pas de fenêtre, hein. D'accord. C'est quoi leur délire? Le professeur m'a donné les coordonnées du Pokémon. Quand tu seras prêt à partir, viens me parler. Ouais. D'accord, cordialement. Lol. Ah oui, alors toi, on va quand même explorer un petit peu la ville avant de partir. Alors en bas, on a les Poké News. D'accord, donc le Navi Show. Frérot, je veux dire, employé, dis-moi, bravo pour ton... oui, donc en fait, ne me parlez pas. D'accord. Je croyais qu'il me parlait. Alors, écran du bas, donc on a Pokémon et Sac, d'accord. Je vais voir un petit peu les résumés, histoire de vous montrer si c'est modifié. Alors, c'est, le fond est mieux. Bah, le fond est voilà, comme ça, d'accord. Ah! Ça, je l'attendais. Ah, il est pudique, donc aucune capacité, aucune attaque augmente. La fameuse page des concours. Très, très jolie. Alors, on n'a pas accès aux paramètres pour réussir à modifier quand même, les contours des dialogues, ce qui aurait été plutôt sympa. Cette maison, c'est la cueille pierre. Des fois, il distribue des pierres super zerbi. Mais ça sert à quoi de collectionner des cailloux? Tu comprends, toi? Moi, je vois pas d'intérêt. C'est bizarre. C'est comme s'il y avait un obstacle invisible qui bloquait l'entrée de chez Pierre. Est-ce qu'un Pokémon lui fait une farce? Quelque chose d'invisible bloque le passage. Alors ça vous rappelle pas quelque chose de Pokémon? De Pokémon... Ruby? Ah, Simtronel? La porte est fermée à clé, d'accord. Arène d'Algastia, champion Tatia et Levi, la combinaison mystique. Bonjour, je passe. Ah. Pas par là, l'arène. Non, oui, pas par là, l'arène est fermée. Salut, je suis Levi, le champion d'arène d'Algastia. Hihi, je m'appelle Tatia, je suis la championne d'arène d'Algastia. D'accord, donc pas trop de dialogue. Ils font quand même bien bunker les bâtiments là quand même, hein. Enfin les centres Pokémon entre autres. Des amis à Nelnutric m'ont dit que le groupe de Whelmer avait disparu. Je me demande ce qui se passe là-bas. Donc je pense qu'on peut pas rentrer dans les maisons en fait pour l'instant. On a accès à la plage ou à un petit objet par ici. Donc par ici il devrait y avoir un objet. Est-ce qu'on a des objets rares? Je me demande ça, donc là je... C'est bien histoire de vous montrer en fait. D'accord, on n'a pas d'objet rare. Je pensais qu'on aurait pu avoir par exemple la bicyclette ou une canne. Non. Donc très belle démo. On met la clé. Donc là c'est là où on est arrivé, d'accord. Ah, c'est super beau n'empêche, hein. Je fais un petit peu le tour, d'accord. Donc derrière il doit y avoir la grotte granite si ça n'a pas changé de place.
Alors dites-moi en commentaire si le layout vous plaît, si la miniature vous plaît, si tout vous plaît, tout simplement, si ma tête vous plaît. Soyez pas trop méchants, hein, s'il vous plaît. Alors, Algacia, notre slogan, chérir les Pokémon. D'accord. Tu es prêt à partir aider le Pokémon? Allons-y. Entendu, je n'attendais que ton signal. Ah, c'est carrément super beau. Alors là, on retourne sur le continent. Et on va vers une île qui a l'air d'être... je ne sais pas trop où. J'aurais dit près... Bien. Les teams Magma et Aqua sont sans doute dans les parages, affairés à chercher le Pokémon. Orlando, tu peux inspecter l'endroit? C'est Malfradov, ce terrain non loin d'ici. Ah, au fait... Quand on marche dans les hautes herbes, il arrive que des Pokémon sauvages nous bondissent dessus. Sois sur tes gardes. Alors oui, on doit être près du village... entre le village Myokara et Clémentiville. Ok, tout ça, ça a l'air bien joli. Quels Pokémon on peut rencontrer dans les parages? Oh, la musique, elle est vachement entraînante. Par rapport à XY, ouais, là, il y a un beau petit remix à faire. Alors on peut rencontrer des pareils cool. Ah, la musique, j'adore. Ah, des linéons, d'accord, ouais, très intéressant ça. Ouais. Alors on va pas quand même tous les affronter parce qu'on a quand même un combat contre la team Magma à faire après qu'on a vu là, hop. C'est quoi ça? C'était pas prévu, sérieux. Personne m'a dit que la team Aqua était aussi intéressée par le Pokémon capable de méga évoluer. Et personne m'a prévenu qu'il y aurait aussi des dresseurs super balèzes, comme la gamine de tout à l'heure. Comment faire? T'as fini de te plaindre? Calme-toi et sois pro, s'il te plaît. On a le bras droit de notre chef, Kelvin, avec nous. Hein? Encore la team Aqua? Mais ça suffit, oui. Vous en avez pas marre de nous mettre des... en travers de notre route? Parce que moi, si, j'en ai marre. À l'attaque. Ça le faisait, le truc peur ou pas? Ah, j'adore. Ah, mais je me répétais pendant toute la vidéo, mais je m'en fiche. Alors, ils ont bien fait de... Je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis les attaques variées. Souplesse et aéropique pour qu'on affronte les Pokémon et qu'on soit pas avec une attaque plante en train de... être un petit peu gogol. Genre, lame feuille sur un Nosferapti, c'est pas ce qu'il y a de... Oh, la violence de souplesse. Oh, cette violence. Sans respect. Oh, j'ai perdu. 1200 Pokédollars. Mais c'est pas du jeu d'être aussi fort. Pas mal pour un sale gamin. Bravo, tu as gagné le droit de te faire lessiver par un sbire d'élite de la team Magma. Je veux toujours faire une petite voix douce aux filles, je pense. Jusqu'au personnage féminin. Oh, un chamallow. Classe. Donc chez Melon, on peut lui faire une attaque lame feuille, ça aura un effet x1 puisqu'il est de type sol. Et type sol, c'est x2, une attaque plante. Et une attaque de type feu, c'est 0,5. Enfin, une attaque de type plante sur une attaque feu, sur un type feu, c'est 0,5. Et 0,5 x 2, ça fait 1. Voilà, c'était la petite minute mat dans l'épisode. Ok, c'est bon. Alors, je pense faire cette démo en fond, en large et en travers. Parce que j'attendais tellement. Donc, ça va être vraiment à fond.
Pardon? Tu ne fais pas partie de la team Aqua? Ah non, c'est la fille. Ah, génial! Tu es là pour protéger le Pokémon capable de m'évoluer. Maintenant que tu le dis, la fille qui nous a mis la misère tout à l'heure a dit la même chose. Eh bien, quelle star ce Pokémon? Ça doit être Flora, je pense. Hop, là on peut passer sans problème. Ah! Bonjour, bonjour madame. Qu'est-ce qui vous prend? Vous attaquez un enfant à 2 contre 1? Et vous vous dites adulte, vous devriez avoir honte. Et qu'est-ce que c'est que ces déguisements? À votre âge. C'est quoi le problème à notre âge? Et avec notre uniforme? Peu importe. Y'a pas de quoi en faire tout un plat. Rappelle-toi que la team Aqua est là pour le bien de tous les Pokémon. Alors on a le droit de ne respecter ni les lois des hommes, ni celles de la mode. Et puis non, mon uniforme, il est trop sans sas. Les rayures, ça me va bien au teint. Et puis, on peut voir mon nombril, c'est trop stylé quoi. Oh non, ils ont pas osé quand même. Oh Orlando, qu'est-ce que tu fais là? Comment? Encore un gamin? Vous l'aurez cherché. Vous allez voir pourquoi on nous surnomme les virtuoses marins partout où l'on passe. Où on... Ouais, passe, j'ai pas eu le temps de dire. On est même des experts au combat à la régulière. Oh, attention, hein, à la régulière, hein, ça rigole pas. Oh! Bien stylé aussi le. L'introduction pour Team Aqua. Bah écoutez, on va spammer l'âme feuille, hein, puisque c'est. C'est ça qu'on aime. Et attention! Voilà, Medina est mis hors combat. Et attention, attention, regardez! Hop! On passe niveau 36, c'est la magie. C'est la magie, moi je vous le dis. Perdu. Ah, première évolution. Alors, on peut voir quand même l'animation d'évolution. Ça a l'air d'être des ondes boréales derrière. Ça, c'est chouette. Enfin, des ondes boréales, non, des aurores boréales. Ondes boréales, c'est l'attaque. On a limite l'impression qu'il méga évolue. C'est tellement stylé. Swag. Je devrais arrêter les combats à la régulière, c'est vraiment pas pour moi. Oh la honte! Je te préviens, je suis le 25e le 25e sbire le plus puissant de la team Aqua. Abandonne, tu n'as aucune chance. Wouh! Eh bah ok, bah c'est ce qu'on va voir. Wow, stylé. Stylé le sbire. Carvana, non, Carvana il devrait avoir peau dure. Mais mon masque, mon Junko, bah on s'en fout. Il tient la méga gemme ou pas? Non, il ne tient pas encore la méga gemme. Eh bah écoutez, l'âme faille. Ah, et bah voilà, peau dure, donc voilà, donc c'est bien ce qui me semblait, je vais perdre des DV. J'hallucine, comment ai-je pu perdre? Comment vous faites pour motiver votre équipe à donner tout ce qu'ils ont comme ça? Je vais vous ajouter à ma liste gens avec qui ne pas prendre de pincettes. Tenez-vous-le pour dit. Oula. Tenez-vous-le pour dit. Merci de ton aide. Oh, ton équipe a l'air fatiguée. On ne peut pas la laisser comme ça. Merci. Super, tous les bobos sont soignés. Papa m'a demandé d'enquêter sur un Pokémon qui vit sur cette île. Mais quand j'ai vu ces clowns costumés en rouge et en bleu s'y intéresser aussi, je me suis dit, Flora, il faut réagir. Attention par là, il y a beaucoup de types plus forts que ces deux zigotos. Leur chef est trop fort pour mes Pokémon et moi. On n'est pas au niveau. Mais toi, je suis sûr que tu peux le battre. Enfin, ne force pas trop, fais attention à toi aussi. D'accord. Dans la catégorie tapette, je voudrais Flora. Oh, un joli Ramboum. Bon, tant qu'on n'a pas la méga gemme, ça n'a pas vraiment d'intérêt de faire le combat. Parce que j'aimerais bien voir quand même méga Junko à l'action.
Mega Junko qui perdrait sa faiblesse au type feu, qui gagnerait une faiblesse x4 au type glace. Il perdrait sa faiblesse au type insecte. Non, peut-être pas insecte, je suis pas sûr. Tiens. On a deux. Donc je pense qu'on a les deux sbires. Enfin, deux sbires, les deux leaders de la team Aqua et Magma, donc pas les chefs, hein, les leaders. Bah écoutez, je vous propose qu'on se laisse ici pour le premier épisode de cette démo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et puis bah voilà. N'hésitez pas à la partager, à me suivre sur Twitter. Et puis, d'ici là, restez comme vous êtes. Vous êtes super. A plus tout le monde. Bye bye.